Alors, l'idée de cette table ronde sur la tradition satirique iranienne et la caricature m'est venue un petit peu en écoutant Shahlo Shafir dans l'émission C'est ce soir, en janvier, il me semble que c'était le 12 janvier 2023. Elle était un petit peu seule sur le plateau à dire que les Iraniennes et les Iraniens avaient une tradition satirique et un humour bien chevillé au corps. Et quand on travaillait donc à l'organisation de notre pavillon Iran, eh bien j'ai eu envie qu'il y ait un temps consacré à la tradition satirique et à l'humour à la fois dans la tradition littéraire mais aussi dans l'art de la caricature puisque on ignore j'ai l'impression que beaucoup ignorent l'existence de cette tradition très vivante. Alors mes collaborateurs, hein, Abraham, Laurent, Isabelle, ont accueilli la proposition très chaleureusement et je les en remercie. Suite à cela, donc Laurent m'a aussi proposé que l'on organise une exposition à la ville de Guingamp, dont vous voyez les affiches ici ou là dans la cour du musée Angladon. Exposition donc que vous pouvez voir à Guingamp jusqu'au 30 juillet, que nous avons co-organisée. Vous avez ici les trois commissaires, donc Laurent Garraud, Simon Co et moi-même. Ce sont des dessins de Kiano Shamazani et Manon Estoni que vous pouvez voir jusqu'au 30 juillet. Alors pour en venir à la présentation de nos deux intervenants, c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer, mais est-ce qu'on les présente vraiment tant pour ceux en tout cas qui s'intéressent un petit peu à l'Iran, ils sont connus. Shahlo Shafir, qui est sociologue, écrivaine et romancière, prit le monde de la recherche universitaire en 2010. Vous êtes allé chercher en janvier dernier le prix Simone de Beauvoir 2022 au nom des femmes iraniennes. Et parmi vos publications, on compte Le Nouvel Homme islamiste, La prison politique, qui porte sur la répression politique dans l'Iran des années 80, publié au Félin en 2002 et dont nous sommes un certain nombre à attendre avec impatience, nous l'espérons peut-être, une réédition en poche, qui sait. Mais il est permis d'espérer. Un premier roman en français, puisque vous en aviez écrit d'autres en persan, un premier roman en français, La demande au miroir, paru en 2015, et votre dernier ouvrage, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, paru en 2019. Et par ailleurs, en plus de ces ouvrages, vous en avez écrit d'autres, mais également de très nombreux articles sur l'Iran que l'on a pu lire, par exemple dans Franc-Tireur, dans Clara Magazine, et ailleurs encore. Alors, l'un et l'autre, vous avez participé à deux rencontres, alors à d'autres encore, mais j'ai eu l'occasion de vous voir donc en janvier à l'occasion donc des commémorations au siège du PC, les commémorations des attentats de janvier, où Fabien Roussel avait également souhaité rendre un hommage aux femmes iraniennes, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, où Mana, dans les deux cas, dessinait en temps réel et faisait des dessins qui étaient projetés. Alors nous avions souhaité voir projeter ces dessins en même temps que nous avions cette table ronde, mais vous savez, pour des raisons techniques et liées à la chaleur notamment, on ne peut pas faire de projection à Avignon. Donc nous avons opté pour la discussion, mais je pense que c'est aussi une très bonne chose. Nous avons en fait des exemplaires des dessins que vous pouvez voir à Guingamp, et on en montrera certains, ce qui vous permettra de mettre une image, puisqu'on va parler de dessins et ça semble difficile d'en parler sans les voir. Alors Manan Estani, vous êtes née à Téhéran en 1973. Après des études d'architecture, vous avez commencé une carrière de dessinateur et d'illustrateur en 1990, publiant notamment des dessins dans des magazines culturels, politiques, littéraires et économiques. Et durant une petite fenêtre à la fin des années 1999, début des années 2000, eh bien, vous vous êtes lancé dans le dessin de presse. Vous avez été emprisonné pour l'un de vos dessins en 2006 et vous vivez aujourd'hui à Paris. Vous avez bénéficié d'une résidence de Licorne, le réseau international des villes-refuges. Donc après 2006, vous avez résidé quelques années en Malaisie et donc vous êtes venu, si je ne me trompe pas, en France en 2011,
c'est ça ? Voilà. Et vous avez un certain nombre d'ouvrages traduits en français, parmi lesquels Une métamorphose iranienne, parue en 2012. Alors, vos ouvrages sont parus aux éditions Ça et Là. Donc, Une métamorphose iranienne en 2012, Tout va bien en 2013, Le petit manuel du parfait réfugié politique en 2015, L'araignée de Machad en 2017, et enfin, en mars 2023, une première œuvre de fiction intitulée Les oiseaux de papier. Vous êtes le lauréat de nombreux prix internationaux, dont le prix international du dessin de presse en 2012. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, procéder de la manière suivante. En fait, j'ai des questions pour l'un et l'autre d'entre vous. Des questions spécifiques qui sont liées plutôt à vos, voilà, à vos domaines qui sont un peu différents, mais qui vont se compléter. Et je vous propose, bien évidemment, à la suite de la réponse que Mana fournira quand ce sera sa question, et Inch'Allah quand ce sera la sienne, éventuellement d'ajouter quelque chose. Puis, il y aura des questions qui vous seront adressées à tous les deux. Voilà. Alors, je vais commencer par une première question pour Mana. Est-ce que vous pouvez nous parler de la tradition de la caricature en Iran et des dessinateurs qui vous ont marqué et ou inspiré, qu'il s'agisse de dessinateurs contemporains ou bien, par exemple, de personnes auprès de qui vous auriez été formé ou de dessinateurs de générations précédentes qui vous ont inspiré? من به زبان شکر پارسی صحبت میکنم. نمیدونم چجوری میخوای این ترجمه میکنی که به زبان Alors je vais parler dans la douce langue persane, donc j'assurerai la traduction. بله. البته خیلی مورد خوبی نیستم برای تاریخ نگاری این که چه گذشته کارتون کاریکاتور ایران داره. ولی تو جایی که من میدونم سنت کارتون و کاریکاتور در ایران بیش از 100 ساله تقریبا. اولین کارتونیستایی که در ایران کارتون کاریکاتور مطبوعاتی کار کردند روتر و شیلینگ اصلا هیچ کدوم ایرانی نبودند فکر کنم هلندی بودند به هر حال اونها وارد مملکت کردند این هنر رو که همراه با انتقاد بوده همیشه و به طور کلی به دو صورت ادامه پیدا کرد یک شکل عام پسند و مردمگرا که قبل از انقلاب شاخصش نشریه‌ای به اسم توفیق بود کاری که با دیالوگ هست با تکست هست بالون صحبت داره تادیکسون Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler véritablement de l'histoire de la caricature en Iran, mais autant que je sache, la caricature en Iran a une histoire d'environ 100 ans. Les premiers caricaturistes à avoir parlé de l'Iran ne sont pas des Iraniens, c'est Rother et Schelling, qui sont des Hollandais, si je ne me trompe pas. Et en fait, il y a dès le début deux traditions. Donc voilà, la discussion n'est pas encore terminée, mais je poursuis la traduction. Une première traduction qui est une tradition plus populaire avec des textes. همراه با نوشت و تکست و شوخی‌هایی که مردم خیلی راحت‌تر متوجه بشن و بعد جریان دیگه‌ای به وجود میاد در کاریکاتور ایران تحت تاثیر دسیناتورها و کاریکاتوریست‌های اروپایی دهه 60 و 70 خصوصا فرانسه Alors, cette traduction populaire, là, c'est un oubli de la session précédente, était dans le journal Tofir, un oubli de ma part, hein, je le précise. C'est une tradition qui est critique dès le départ. Et il y a une autre tradition qui a commencé dans les années 60-70, notamment sous l'influence de dessinateurs français. Alors, Roland Topor, مثل کاردون، مثل کلوتسر، مثل خیلی از کارتونیست و طراحی دیگه که اینها طنز سیاه کار میکردن بیشتر. Notamment des personnes comme Roland Topor, comme Kloetzer. Roland Topor. Rene Cardon. خیلی های دیگه. بوسک.
Donc toute cette tradition d'humour noir, hein, en fait, a une. Chaval, خیلی کسی نگه بی. اینا تأثیر گذاشتند و در ایران به طور عمده اردشیر محسس یکی از اولین کسانی بود که شکل روشنفکرانه طراحی رو به عنوان کاریکاتور وارد نشریات کرد. Et Ardeshir Mohassez était une des premières personnes à introduire en fait la traduction intellectuelle de la caricature dans les journaux iraniens. در واقع میشه گفت اون طنز سیاه اروپایی و فرانسوی رو ترجمه به فارسی کرده بود، مال خودش کرده بود، خیلی ایرانیزه کرده بود. C'est lui qui a traduit d'une certaine manière hein, dans la culture persane cette tradition d'humour noir d'impertinence à la française. از اون زمان میشه دهه 1970 در ایران که این مدل از کاریکاتور وارد شد، همزمان در ایران این دو تا تradition ما داشتیم. بعد از انقلاب میتونم بگم دهه اول به خاطر سانسور و سرکوب شدید و تعطیلی ها و اینها کاریکاتور رفت به سمت تradition روشنفکری بیشتر به خاطر اینکه دایرکت نمیتونست چیزی بگه. Donc en fait cette tradition, cette double tradition s'est perpétuée dans les années 70 et donc après la révolution bien évidemment du fait de la censure c'était plus tout à fait possible et la tradition intellectuelle a quand même perduré. La tradition intellectuelle de la caricature. بله، من مثلا خودم وقتی شروع کردم به عنوان یه نوجوان کاریکاتوریست در نشریات، اون موقع نشریه طنزی باقی نه همه رو تعطیل کرده بودن. من با نشریات بی ربط اقتصادی ادبی اینا کار میکردم به عنوان طراح به همون سبک روشنفکرانه. Et donc, comme les journaux qui auraient pu accueillir des dessins de presse avaient fermé, je travaillais dans des journaux qui n'avaient rien à voir, qui étaient en réalité, par exemple, des journaux économiques. Et en usant de cette tradition intellectuelle hein, qui permet en quelque sorte, alors là, c'est moi qui rajoute une incise, qui permet de passer par le symbole pour que les choses soient moins directes, eh bien, j'ai pu continuer à publier des dessins. داستان طولانی پس شاید بعدن به حال نمیدونم دیگه فکر کنم تو همینجاش بدون این که حالا هست دیگه هر دوتاش هست و کار میشه و همیشه هم همراه با سانسور به داخل ایران کار کردن همیشه هم همراه با سانسور محدودیت. Donc, on pourrait en parler longuement hein, cette double tradition existait a toujours dû c'était toujours accompagné de censure et à chaque fois que les choses sont faites en Iran, eh bien, elles doivent voilà, se faire dans le cadre, en dépit avec la censure. Donc on pourra en revenir. Islam est affaire qu'on a mis. اتفاقی که در 20 سال اخیر افتاد اینه که حتی کارهای تمس بدون شرح و فرهیخته‌تر و اینها هم مشکل ساز شد برای اینکه مورد برداشت های خاص قرار میگه. هر برداشت که میخواستن مثل فال قهوه ازش میگرفتن برای اینکه نشریه رو ببندن. یعنی استفاده از تمثیل هم دیگه به اون راحتی سابق نیست. Et en fait, ce qui s'est passé dans les 10-20 dernières années, c'est que même finalement la tradition intellectuelle s'est confrontée à des problèmes puisque en fait se pose toujours la question de l'interprétation et il est toujours possible, si vous voulez, c'est un peu comme lorsque l'on essaie de lire l'avenir dans le café hein, il est toujours possible pour certains d'interpréter les choses comme ils le souhaitent. Merci beaucoup Sharmana. Donc je vais poursuivre avec une question pour Shala, sauf si vous voulez dire peut-être un petit quelque chose sur ce sujet. Tout d'abord, merci pour aux organisateurs, aussi y compris vous et Laurent, pour donner cette occasion pour échanger sur un sujet tellement brûlant et complexe, puisque le rire, interdiction de rire, c'est une des dimensions de la répression totalitaire. Et ça, c'est très intéressant qu'on puisse en parler. Et je suis vraiment très contente, ravie d'être à côté de Manana Estani, qui est un grand dessinateur. Et comme il a expliqué, qui s'inscrit dans une tradition longue de notre pays, qui est toujours ignorée.
parce qu'on a cette image de nos pays, et ça, en fait, avec, surtout avec l'arrivée de l'islamisme et de le développement de l'islamisme, on a toujours une image de l'Iran tout à fait faussée, comme quoi tout est, et ça, c'est exactement le discours islamiste. Ils disent, l'islam, c'est la religion telle qu'ils le comprennent, puisque l'islam, c'est, ça peut pratiquer, être pratiqué de mille façons, mais pour les islamistes, c'est une idéologie qui comprend à la fois le passé, le présent et l'avenir, comme dit Arendt d'ailleurs. Et donc, effectivement, avec cette globalisation identitaire, à l'Occident aussi, on a toujours ce regard assez faussé sur nos pays, et l'existence de personnes comme Mana et de vous, Iris, qui êtes de deuxième génération, en fait, Mana vient de l'Iran, vous êtes plus longuement ici, enfant de famille exilée, politique. Donc, si vous voulez, ça nous démontre, vous êtes aussi dans la continuité, Mana, son travail est très connu à l'extérieur et doublement, d'une part par les Iraniens, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, ça va et vient, et qui est dans son travail. Et c'est pourquoi je pense que c'est pas seulement, bien sûr, il y a la censure, bien sûr que cette parole même abstraite, intellectuelle est menacée, mais Mana a pu, et avec d'autres, Kianouche devait être ici aussi, et je suis désolée moi j'ai accepté de pied levé de le remplacer, et effectivement, les personnes comme Mana et Kianouche sont quand même dans la continuité, en même temps avec leur propre créativité, c'est ça qui est très intéressant. Merci, cher Charlotte. Donc, vous évoquez effectivement le fait que Kianouche aurait dû être avec nous. Oui, absolument. En fait, je voulais dire que Kianouche m'a transmis un petit paragraphe que je lirai à la fin de la rencontre parce que il est pas là, mais il est là. Voilà. Donc, il est là avec nous et on espère, on organisera une autre version où vous serez là aussi et Kianouche aussi. Et on parlera tous ensemble de ce sujet. Alors, vous évoquez j'aimerais revenir avec vous, Shahla, si vous le voulez bien, sur finalement la filiation, si vous en voyez une, entre la tradition satirique iranienne et l'esprit de la rue iranienne. Je me souviens dans cette émission, hein, dans C'est ce soir, quelqu'un, on ne dira pas qui, avait dit mais est-ce que finalement, parce que en fait cette émission venait tout de suite après le numéro de Charlie Hebdo du 15 janvier 2023, où les caricatures du guide, qui était donc le fruit du concours, hein, qui avait été lancé par Charlie pour recueillir des dessins sur le guide, eh bien avait été publié donc le 4 janvier. De nombreux Iraniens ont participé, dont Kianouche, dont l'un des dessins a été publié dans ce numéro, et beaucoup de gens aussi depuis l'Iran, hein, après sous des noms de plumes, mais voilà, ils ont participé. Et vous disiez dans cette émission, puisqu'on vous disait, mais peut-être que, bon, s'il y a des réactions comme ça de la part de l'Iran, puisque le journal avait été énormément, le site a été hacké, enfin voilà, ils ont reçu encore plus de menaces après ça. On vous disait, bon, peut-être qu'en Iran, il n'y a pas vraiment de tradition de la satire, de tradition de la caricature, et j'ai été heureuse de vous entendre dire, vous étiez bien seul sur ce plateau et le dire hélas, vous ne vous rendez pas compte de ce que dit la rue iranienne. Ce que dit la rue iranienne à côté de Charlie, pardon, ce que dit Charlie à côté de la rue iranienne, c'est du mélo. Et alors cette phrase était absolument géniale parce que c'est exactement le cas. Et vous avez donné des exemples, hein, de ce qu'on peut dire qui en général fait intervenir les organes génitaux et autres, hein, des uns et des autres. Donc voilà, il y a quelque chose de très cru dans la rue iranienne pour parler de ce sujet sans détour. Donc je voulais vous poser cette question, hein, de savoir quelle filiation vous voyez, si vous en voyez une, entre la tradition satirique littéraire plutôt iranienne et l'esprit de la rue iranienne. Et les Iraniens, hein, faisant partie, du fait de leur histoire probablement, des plus ardents défenseurs du droit d'emmerder Dieu que Richard Malka défend si justement. Oui, merci Iris pour cette bonne question. En fait, oui, tout à fait. Tout d'abord, moi je m'attends toujours quand il y a un plateau de ce genre de remarques, puisque depuis longtemps, depuis les premiers dessins, caricature qui était à Danemark et après Charlie Hebdo, la terreur, tout ce qui est venu après, il y a toujours un argumentaire qui est servi et malheureusement parfois par les universitaires aussi.
de dire il faut pas, c'est délicat, c'est la conviction des gens, il faut pas y toucher, et c'est, il y a eu même au niveau international les grands écrivains qui n'ont pas soutenu Salman Rushdie à cause de ça. Et même quand on a eu le verset satanique, il y a eu ce débat. Ce débat, toujours, c'est sur la question suivante. Est-ce que, jusqu'où on peut aller quand il s'agit du sacré? Et donc ici, effectivement, il y a un certain retour, si vous voulez, il y a un certain culturalisme primaire qui interdit l'expression libre à des gens de nos pays. Ça veut dire, au nom de sacré, comme les islamistes, au nom de sacré, on bâillonnait tout le monde. Ici, au nom de sacré, on bâillonne aussi les propres écrivains quand il s'agit de l'autre côté. Puisque ici, par exemple, comme Mana le sait aussi très bien, que Charlie Hebdo, par exemple, les premiers sujets, c'était pas les islamistes, c'était les gens politiques. Et après, deuxième, c'était l'Église catholique. Et le voilà. Et en troisième lieu, avec les études, vient l'islamisme. Mais il suffit une critique pour que les gens crient à l'islamophobie et tout ça. Et même le mot islamophobie a été inventé, si vous voulez, dans les universités occidentales, dans les milieux américains. Et après, ça a été exporté, si vous voulez. Donc, nous vivons en plein discussion, on n'aura pas assez de temps. Mais c'est vraiment, ça touche cette question de satire et de caricature. Ça touche les vrais enjeux de l'époque actuelle sur la liberté d'expression, sur l'émancipation et sur la laïcité. Parce que la laïcité protège cette liberté créative. La laïcité ne veut pas dire qu'on va en finir avec la religion, puisqu'on peut jamais en finir. Pour moi, c'est la seule idéologie qui se rend compte de l'au-delà, et les gens ont besoin de, peut-être pour certains, d'être assurés par rapport à après la mort. Et toute personne, ou bien sûr que l'athéisme a le droit de citer, la critique des textes religieux, c'est tout à fait bienvenu, mais avoir cette illusion d'en finir avec ça, moi je ne l'ai pas, en tout cas je l'ai perdu depuis un certain temps. Mais le problème actuel, c'est le sacré devient un deuxième nom pour le respect du sacré, un deuxième nom pour oublier les enjeux ou camoufler les enjeux liés à la liberté tout court dans le monde actuel. Avec le développement de mouvements identitaires, des néo-fondamentalismes, tout ça qui est très compliqué, je ne rentre pas dedans. Mais pour revenir en Iran sur la tradition satirique, on l'a eu depuis longtemps. Et comme a dit Mana, il y a eu avant la révolution, et même à partir de, si vous voulez, il y a un personnage, Mullah Nasreddin Hoca, ou ici on dit Hoca, ou en Turquie on le dit autrement, dans les pays de l'Europe de l'Est on dit autrement. Cette personnalité où il y a des écrivains ou des chercheurs français aussi qui ont fait des livres d'anecdotes qui sont très très bien faits, et la vie est... Tous les peuples musulmans, non musulmans, l'Europe de l'Est essayent de faire de science de ce personnage. C'est un personnage qui est dans une réflexion des anecdotes qui ridiculise, ça veut dire en fait ironie et abstraction ironique très intéressante. Et moi, dans un article que j'avais fait à Charlie Hebdo à l'époque après la dissémination tragique des personnes comme Charb et les amis de Charb, les meilleurs artistes, et c'était vraiment ça, même maintenant ça m'émoi, puisque c'était vraiment c'est quand même attaquer le cœur battant de l'art et de la création. En tout cas, j'avais commencé par une anecdote de Mullah Nasreddin qui dit un jour, Mullah qui était engagé pour donner des cours dans l'université, dans l'école islamique, Maktab, il était là, dans la bibliothèque, il est monté sur une pile de Coran pour chercher un livre. Et il y a un
un étudiant qui lui a dit, Moula, tu n'as pas peur de piétiner le Coran, puisque dans la tradition, il ne faut pas. Il a dit, depuis que je suis Moula, c'est au Coran d'avoir peur de moi. Voilà. C'est exactement, et j'avais expliqué après cette anecdote, ce qui se passe en Iran et ce qui se passe chaque fois que la religion devient une idéologie et prend le pouvoir. C'est exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé en Iran et qui, voilà, ce Mollah Nasreddin, on ne sait pas si c'est iranien ou non, mais ça fait partie de nous, des Iraniens en général. Après, on a les grands écrivains iraniens Sadr Hedayat, qui est quand même, pour revenir au gros mot, pour revenir à la question, qui est quand même un écrivain de il a pratiqué tout. Et donc, effectivement, dans ces, il y a une sorte d'ironie, mais très indirecte, mais en même temps assez amère et macabre et tout ça. Et voilà. Mais en même temps, il dit une phrase que je dis et je termine. Il dit la culture iranienne, dans le vocabulaire iranien ou dans la littérature iranienne, il y a un trésor de gros mots. Il y a un trésor de gros mots. Il faut vraiment le consommer sans modération. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on est face à une répression où parfois vous pouvez rien faire ou face à une situation culturelle. La pauvreté culturelle de ces gens qui nous dirigent. Et leur ignorance et leur vraiment c'est ça quand vous voulez les traiter, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire en fait les mots habituels ne rendent pas compte de ces choses-là. Et ce qui s'est arrivé dans la révolution de femmes, vie, liberté, c'était ça. Les gens de la rue ont commencé à dire des gros mots dans la lignée de Hedayat, à consommer sans modération pour traiter ces dirigeants. Et après, il y a eu un débat intellectuel, même à l'intérieur de l'Iran. Est-ce qu'il faut dire jusqu'où il faut aller, sans comprendre la fonction salvatrice de ce type de langage, que j'amène d'ailleurs dans ce texte littéraire, le dernier, le théâtre. Alors, si vous voulez, c'est ça la chose. Et je veux dire que le rire sous la République islamique est devenu une arme politique majeure. Et la plaisanterie, j'ai écrit un article d'ailleurs qui est sur mon site, vous allez trouver tout ça, c'est dans la période de Corona. J'avais écrit puisque c'était une période très morbide, ça veut dire en fait que ce soit ici ou ailleurs, on était quand même, l'angoisse de mort était partout, la mort nous dominait. On ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Les Iraniens n'arrêtaient pas de plaisanter sur Corona. Et j'avais écrit un article dans Marianne en disant le rire autour de ça, qu'est-ce que ça nous dit, même face à cette épidémie meurtrière, comment les Iraniens rient. Ça devient une arme politique excellente et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a des dessinateurs comme Mana, on a des dessinateurs comme Kianouche et on a des écrivains aussi qui continuent à puiser dans cette... trésor, dans ce trésor qui est le rire. Merci beaucoup, cher Chala. Alors, vous évoquez un certain nombre de choses qui me donnent envie d'avancer un petit peu dans la discussion, de bousculer un petit peu l'ordre que j'avais prévu, puisque vous évoquez Nasreddin, on pense aussi bien évidemment à Obeid Zarqani, hein, et j'ai un auteur du XIVe siècle. Absolument. Je vais vous citer un petit extrait de ces textes, une petite brève, si j'ose dire, de loin. Un mouezzin courait en appelant à la prière. On lui demanda pourquoi il courait. On me dit que mon appel à la prière n'est bon à entendre que de loin. Alors je cours pour entendre ma voix de loin. Vous voyez un peu le style hein, de choses que l'on trouve. Après, ça peut être beaucoup plus cru, mais voilà, je voulais faire référence un petit peu à cette tradition anticléricale. Et puisque vous évoquiez nos pays, peut-être faire une ouverture, hein, puisque on en a peut-être pas parlé hier suffisamment de l'Afghanistan et je veux remercier ici la manufacture d'avoir mis à l'honneur du programme et aussi dans la galerie Le Petit Paradis les photographies de Fatima Hosseini qui est une femme on pourrait dire d'origine afghane même si elle est née en Iran mais voilà elle est
elle a grandi en Iran, puis elle est retournée en Afghanistan donner des cours quand il a eu cette période un petit peu d'ouverture. Et finalement, ces problématiques, ces questionnements dépassent l'Iran. Et ce que vous venez de dire me donne envie de parler tout de suite un peu de la situation de l'Algérie aussi, hein, puisque cette question du voile que l'on avait évoquée hier, on sait que Katia Bengana, en 1994, et Amel Zenoun en sont mortes déjà en Algérie en 1997 pour Amel Zenoun de cette question du voile. Et pour en revenir à la question du dessin de presse, Ali Dilem, grand dessinateur connu universellement, enfin voilà, de par le monde, eh bien, son nom se trouve dans les amendements d'Ilem. Alors, que sont les amendements d'Ilem? C'est bien de l'orthographe d'Ilem de son nom et pas du dilemme qu'il s'agit. Les amendements d'Ilem, en 2001, consistent à dire que, présentent une série de mesures vont jusqu'à la prison ferme contre des journalistes qui offenseraient soit le président de la République, soit les corps constitués comme l'armée, la justice, etc. Et il a été condamné en 2005 à 6 mois ferme pour une caricature publiée dans le journal Liberté. Alors Ali Dilem publie régulièrement, alors parfois dans Le Monde, parfois dans Charlie. Voilà, on peut voir ses dessins dans la presse française. Et je pense aussi à Gilas Aynouch, qui le 30 novembre 2022 a vu sa sentence prononcée par le tribunal criminel de Béjaïa, qui l'a condamné à 10 ans de prison ferme pour ses dessins de presse. Donc, vous voyez que cette question, on parle de l'Iran, mais j'ai quand même envie d'élargir cette question qui est un problème universel. Et on a vu que même en France, eh bien, la question pouvait se poser. Est-ce que vous avez dit de cet usage du terme islamophobie m'invite, si vous le voulez bien, à lire d'ores et déjà le paragraphe de Kianouche, puisque je pense qu'il s'inscrit bien dans ce que vous venez de dire. Et voilà, comme ça, j'avais enlevé la quatrième chaise, mais comme on dit en persan, Josh Rolly, voilà, sa place est vide, sa place est libre là à côté de nous, donc je vais lire son paragraphe. Mesdames et messieurs, l'État islamique d'Iran continue d'assassiner, d'emprisonner et d'opprimer les femmes, les hommes et les enfants iraniens, même en ce moment où nous sommes tous assis ici en train d'échanger. La voix du peuple iranien doit être entendue et amplifiée dans le monde entier. C'est notre principale responsabilité en tant qu'Iraniens en exil d'être leur voix. Nous connaissons l'islamisme probablement bien mieux que tout expert occidental, car nous y avons grandi et nous en avons vécu directement les conséquences. Nous n'avons pas peur d'être accusés d'islamophobie, une accusation fabriquée par les islamistes pour intimider et faire taire l'Occident. En tant que dessinateur de presse moi-même, j'utilise pleinement le pouvoir de cet art pour sensibiliser et amplifier la voix du peuple iranien. Il n'y a pas de bravoure plus grande que ce que les femmes iraniennes ont fait depuis le début de la révolution Femme, Vie, Liberté. Ce courage extrême inspire le monde entier et mènera les Iraniens à la liberté. Kianouche. Voilà. Donc pour en revenir à la tradition satirique iranienne et à la tradition de la caricature, vous avez dit que vous n'étiez pas forcément la meilleure personne, Mana, pour faire l'histoire, mais en réalité, vous l'avez faite. Sans trop évoquer peut-être quels ont été les artistes qui vous ont plus inspiré, alors peut-être aurez-vous envie de le dire, peut-être en fait les artistes que vous évoquiez étaient ceux qui vous avaient inspiré vous, plutôt que ceux qui ont fait l'histoire, ou peut-être étaient-ce les deux, vous nous le direz. je voulais vous poser cette question, finalement, puisque donc vous faites partie vous êtes dessinateur vous-même, vous nous aviez dit à Guingamp lorsque l'on avait échangé que votre frère Touka avait aussi eu un rôle important dans votre trajectoire et votre père est poète. Donc la question que j'ai envie de vous poser finalement, c'est celle du dialogue entre satire littéraire et caricature. Et je pense aussi, vous avez évoqué les dessins d'Abdeshir Mohassez, qui était actif dans les années 70 et qui a notamment été invité en France pour dessiner dans Jeune Afrique, qui a fait des dessins pour caricaturer le régime du Shah. Abdeshir Mohassez a accordé un entretien, par exemple, à Esmaïl Khoury. C'est Esmaïl Khoury qui l'interviewe. Donc voilà, je me pose la question de savoir si finalement la tradition satirique littéraire a pu nourrir votre travail de dessinateur. خب
واقعیتش کاری که من به عنوان کارتونیست و کاریکاتوریست انجام دادم بیشتر رفتن به راهی است که کارتونیست‌ها و هنرمندان غربی بنا نهادند. هرشم به هر حال من با فرهنگ و ادبیات کشورم بزرگ شدم و حتما تأثیر داشته توی کارم و دیدگاهم. En réalité, finalement, le travail que je fais moi s'inscrit peut-être plus en dialogue avec une tradition occidentale, même si les artistes qui ont travaillé dans mon pays ont probablement joué un rôle aussi sur ma manière de voir les choses. یه اشاره‌ای به اسم عبید زاکانی کردی و همینطور به هدایت اشاره شد و البته ایرج میرزا خودم اشاره میکنم. یه خاصیتی که این مؤلفین داشتن در کار طنز و شوخی و مطایبه این که خیلی به فرهنگ مردم، فرهنگ خصوصی مردم، مدل طنز و مطایبهشون نزدیک بوده، میتونم بگم خیلی بی‌تعارف بودن. شما اگه میخواییم بخشایی از طنازی ایرانی رو واقعا درک بکنید، این در پلتفرم های رسمی نیست، در شوخی های بین خودشونه. خیلی راحت ترن، خیلی راحت با هم دیگه شوخی میکنن، با همه چی شوخی میکنن، خیلی تند و تیز و بی‌تعارف، خیلی شارلی ابدویی حتی. ولی وقتی پلتفرم های رسمی میرسه یهو همه با ادب و ملاحظه و اینجوری میشن. Alors, vous avez évoqué Obeid Zakani et Sader Hedayat. J'ai envie d'ajouter Iraj Mirza. En fait, ces auteurs ont un dialogue en fait avec la tradition populaire iranienne. Et c'est dans cette tradition populaire de la rue iranienne, les gens entre eux, dans leur intimité, si on ose dire, dans leur dialogue avec leurs proches, que ces blagues vont se faire, qu'il va y avoir cette tradition humoristique qui est voilà, loin de ces côtés un peu policés, d'une politesse un peu convenue à l'iranienne. Et il y a une conception qui s'appelle ta'aruf, comme on a employé, qui dit tout en soi, mais l'égal n'existe pas en français. Ça veut dire que quand vous dites des choses de manière à... Ça veut dire en fait, vous camouflez les choses à des fins de politesse. Et comme ça, ça va parfois très loin et vous cachez complètement vos propres pensées. Et pour Mana, ces personnes-là, ils ont été sans tarof. Ça veut dire sans faire cela, directement au but. Il allait et il disait ce qu'il pensait crûment. Et cette parole crue, ça rejoint les attitudes que les Iraniens ont entre eux. Mais quand ils sont dans le public, ils deviennent polis. Et donc normal. ce que disait Mana, donc bon, simplement pour revenir à la, je poursuis, là c'est moi qui parle, je poursuis sur ce que dit Shahalo. En fait, cette tradition du Toro, si vous voulez, c'est ce côté je vous en prie, non mais vraiment, je n'en ferai rien, vous voyez, ce côté très un peu surfait, quoi, hein, de vraiment, on ne dira jamais ce qu'on pense vraiment. Il y a un côté très labyrinthique dans tout ça qui fait que parfois on a envie que ça explose, hein, et c'est ce qu'on aime bien voir dans cette modernité qui semble émerger maintenant dans cette génération iranienne. Et donc maintenant, je reprends les mots de Mana, je me refais traductrice. Il dit en fait cette tradition populaire, eh bien, a un esprit très Charlie en fait. Il y a un côté dans les blagues que se font les gens, dans les choses qu'ils se disent lorsqu'ils sont entre eux, lorsqu'ils sont à l'aise, vraiment quelque chose de très cru, de complètement irrévérencieux, d'impertinent à la Charlie. Pardon, je suis désolée. Qui n'existe pas dans les plateformes officielles, où tout d'un coup, voilà, on se fait de marbre et on ne dit plus du tout ce qu'on a vraiment sur le cœur. این تناقضایی که فرهنگ ما داره دیگه، کار کردن در ایران داره. ما از طرفی درگیر تعارف هستیم،
ادب خیلی زیاد از قدیم به ما گفتن که جلوی بزرگتر پاها رو نباید دراز کرد و از طرف دیگه میخوایم همون بزرگتر رو با کاریکاتور و طنز خدمتش برسیم و این یه جور تناقض ایجاد میکنه. اتفاقی که توی سالهای اخیر افتاده کنار رفتن بخشی از این تعارف هاست، همونطور که شهلو هم اشاره کردش، توی یعنی این ادب اضافه رو، این تعارف رو کنار گذاشتن و گفتن که و حقیقت رو گفتن حتی به حالت سیلی. Il y a une contradiction dans la société iranienne qui fait que on a ce côté voilà très un côté un peu surfait dans ces conventions de politesse alors que donc quand on veut faire de la caricature alors qu'on nous a dit d'habitude eh bien n'étendez pas vos pieds ne les étendez pas devant un aîné. Hein, ne vous mettez pas à l'aise au point d'étendre vos jambes et vos pieds devant un aîné. Par la tradition de la caricature, eh bien, on veut aller très loin dans ce qu'on a à dire, comme dans une envie de donner une claque presque aux aînés. Et on se retrouve en fait face à cette contradiction. آره، یعنی خلاصه اینه که در شوخی های خصوصی بین خودشون مردم خیلی روک و راست، اما اگه همونو توی کاریکاتور ببینند بهشون بر میخوره یا به نظرشون چیپ میاد. Il y a presque quelque chose peut-être d'un petit peu... Mana insiste sur un aspect ambivalent, c'est-à-dire que dans les blagues privées, dans les discussions privées, eh bien, les gens vont être très francs, très crus dans leurs mots. Et s'ils voient les mêmes gens, s'ils voient ces mots-là dans la caricature, ça va leur sembler un peu cheap, quoi, un peu vulgaire, et ça va les heurter d'une certaine manière. Donc voilà, il met l'accent là sur quelque chose d'un petit peu... منظور این فاصله ای هستش که بین هنر کاریکاتور ایران و فرهنگ عامه وجود داره. و اما درباره کسایی که روی من تاثیر گذاشتن اشاره کردید خودت. من بیشتر از همه به توکا مدیون بودم، از اون الهام گرفتم، اما اون خودش از همون هنرمندان فرهیخته اروپایی که اسم بردم تحت تاثیر اونا بوده و خیلی کسان دیگه که الزاما کارتونیست نبودن میتونن فیلمساز بوده باشن، مثل وودی آلن، مثل مانتی پایتن. من تمام تنظیم رو دوست دارم، دوست داشتم. En fait, ce que j'essayais de mettre en exergue dans cette discussion, finalement, c'est la distance entre la tradition de la caricature et une certaine culture populaire. Alors, pour ce qui est de mes influences, vous les avez évoquées vous-même. En réalité, la personne qui m'a le plus influencée, c'est mon frère Touka, et lui-même était sous l'inspiration des artistes occidentaux dont on a parlé. Pour ce qui me concerne, je suis aussi très inspiré par le cinéma, Woody Allen. Ou le Monty Python. Ah oui, les Monty Python. Ah oui, pardon. Comment je peux oublier ça? Albatte, Albatte, ma hamisho, chaque Hergé va Tintin Boudin. Et j'ai toujours été absolument amoureux de Hergé et de Tintin. Merci beaucoup, chère Mana. Alors, Shala, votre livre, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, s'ouvre sur un exemple d'incompétence politique si forte qu'elle semblerait désarmer la plume, désarmer de sa plume et de son verbe tout satiriste. Hein. Ce sentiment que l'absurdité du réel... pourrait peut-être assécher la plume du satiriste et le laisser sans voix. Et pourtant, on voit dès le début du XXe siècle, finalement, à travers les charandoparand, on pourrait traduire par les billevesés, hein, dès l'époque de la Révolution constitutionnelle jusqu'à nos jours, cette tradition satirique extrêmement vivante, alors que la réalité sociale et politique de l'Iran pourrait laisser sans voix. Et là, je pense à une phrase que j'avais lue à l'exposition sur les surréalistes à la BNF, où il disait « Le surréalisme, finalement, il s'agit de chercher un langage neuf pour exprimer son désarroi et déjouer la tentation du silence. » Qu'en dites-vous ?
Tout à fait. En fait, ce qui la situation iranienne ou la société iranienne se prête beaucoup à l'absurde, puisque c'est vraiment quelque chose quand que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, de toute façon, cet absurde nous rattrape toujours, puisqu'il y a vraiment tous les éléments que Maya a expliqué aussi, Mana a expliqué. Et si vous voulez, moi, je commence ce dernier essai par une réalité qui est vraiment absurde. Ça veut dire qu'une des femmes dont Ahmadinejad voulait faire une personne de son cabinet, une des femmes islamistes qui sont députées, puisque le régime islamiste iranien utilise et instrumentalise les femmes pour dire que leur modèle est aussi une voie pour les femmes musulmanes. Cette femme, il y a écrit un jour quelque chose qui fait objet de beaucoup, beaucoup de rire dans les réseaux sociaux. Elle dit, comment on pourrait imaginer que sous la République islamique, il y a une rue à Téhéran qui s'appelle Simone de Beauvoir. Comment c'est possible? Est-ce que vous n'avez pas oublié autant de femmes qui étaient martyrs de cette révolution, etc., etc. Et donc après, voilà, les gens ont dit, mais une rue à Téhéran, sous la République islamique de Beauvoir, c'est pas possible. Et ils sont allés chercher, il y a Simone Bolivar, et cette femme... De toute façon, dans le comble de l'ignorance et de l'inalphabétisme qui les domine, elle avait pensé qu'elle faisait une grande découverte et elle allait faire, un exploit. Et je commence l'essai par cela et par des pamphlets qui ont été dits sur les réseaux. Et il y a un blogueur iranien qui commence à critiquer son discours, ça veut dire qu'en fait, de manière absurde. En amenant, oui, tout à fait, il faut faire quoi et comment il faut prévenir cela et tout, c'était vraiment ça. Je me suis dit, quelle anecdote pourrait se rendre compte de cette absurdité? S'il n'y avait pas de crime après, on pourrait en rire beaucoup. Mais malheureusement, ces gens-là, ils règnent et ils tuent. C'est le comble de déculturation, c'est-à-dire inculture. Et ignorance. Et partout dans le monde, il y a, en France aussi, on a partout. Mais là, ils règnent. Ces gens-là, ils règnent sur le pays. C'est ça le problème. Et en plus, un pays où il y a tout ce que vous voyez. Ça veut dire, on a quand même des gens qui sont, il y a une culture. Il y a des gens qui créent tous les jours. Et pour revenir à ce créateur, oui, Obeid Zakani dont parle Mana, 14e siècle, il est contemporain de notre grand poète Hafez, qui a dit et dont les mots continuent à accompagner le peuple iranien. Et vous savez, dans chaque maison iranienne, pour ceux qui croient, il y a Coran, mais tout le monde a Hafez, le divin. Et lui, il rivalise avec prophète. Ça veut dire une tradition poétique. Et effectivement, on a un humoriste, ça veut dire un écrivain contemporain qui vient de nous quitter il y a un an et quelques, Iraj Pezeshzad, dont Oncle Napoléon, qui a été traduit par Surur Kasmai, qui était hier ici, et qui est vraiment, pour vous dire le pouvoir de cette expression satirique, ou comment on peut l'appeler, ou de toute façon, de manière générale, il crée un personnage qui s'appelle Oncle Napoléon, qui est dans une famille où il y a tous les prototypes de la société iranienne. Après, ça a fait une série télévisée qui a été très populaire aussi. Et cet Oncle Napoléon est atteint d'un syndrome comme quoi un syndrome qui dit tout est le travail des Anglais. Derrière quelle toute chose on trouvera les Anglais. Ça veut dire la même quelque part complète que les Iraniens ont et tous les pays qui ont sous la dictature presque ont, qui cherchent toujours la main de l'étranger derrière les choses qui arrivent. Et ici aussi certains sont atteints de ça. Donc effectivement là, et c'est rentré.
dans la culture populaire d'Iran, qui peut-être ils n'ont pas lu le roman, mais cette expression est tellement rentrée que même dans le Parlement de la République islamique, il y en a certains qui disent, voilà, ça c'est ce syndrome de Oncle Napoléon. Alors que la personne est en exil, l'écrivain est en exil, il est mort en exil, et c'est vraiment un grand écrivain. Et ce roman, c'est un grand roman, un chef-d'œuvre, l'Oncle Napoléon, que vous pouvez lire, et c'est vraiment très, très, ça fait rire, et ça a créé quand même une expression, c'est rentré dans le vocabulaire. C'est ça un peu ce que, et imaginez avec tout cela, on a quand même des dirigeants, et on a aussi des complices de ces dirigeants ici qui nous disent, voilà, Charlie, par exemple, par rapport à des caricatures, etc. Est-ce qu'on va, si on va très loin, puisque les gens, c'est leur, comment on peut dire, on va les heurter. Alors qu'à l'intérieur du pays, il se passe tout cela. Vous voyez, c'est, on a donné et plus. Et je suis sûre que c'est, en Algérie, c'est la même chose. Je suis sûre qu'au Maroc, c'est la même chose. Je suis sûre qu'en Égypte, c'est la même chose. En Afrique, c'est la même chose. Et je voulais dire par là qu'avec cette idéologisation du religieux et toutes ces tendances identitaires, puisque ici, c'est pas que pour le religieux, l'identité devient un problème. Vous savez, avec le wokisme, on est dans cela. C'est, on interdit, on voudrait maintenant, voilà, il y a la question ukrainienne, russe, etc. Très bien. Moi, je pense que la résistance ukrainienne, c'est quelque chose de très vital pour l'époque actuelle. Mais d'ici à aller censurer Dostoïevski, Tchaïkovski et les choses parce que c'est une langue qui a produit, voilà, que c'est la langue de Poutine, c'est autre chose. C'est exactement la même chose. C'est contre la culture et toutes ces histoires de cancel culture qui vient de l'Amérique et tout ça. C'est vraiment contre la création. C'est ça, je dis. Et ça donne l'élan à ce genre d'identité très dangereuse. Dangereuse identité meurtrière, comme dirait Amin Maalouf. Voilà. Donc, si vous voulez, je termine par dire, il y a une dialectique entre la littérature, le dessin, la musique, les chansons, le cinéma, le théâtre, puisqu'on est dans le festival de théâtre, effectivement. Et effectivement, il faut garder cette, je dirais pas la sacralité de la création, puisque je veux pas utiliser ça. Mais en même temps, la porte pour se sauver, c'est comprendre l'absurde. Et pour moi, c'est tout à fait la même chose. C'est dans ce sens que je lis Kafka avec un sourire, que je lis aussi, alors que c'est quand même pas une littérature satirique, mais il y a une ironie. Il y a quelque chose dans toute grande littérature, il y a cela. Donc ce sera absurde quand même d'enlever l'ironie de notre vie, et je pense que c'est l'ironie qui nous sauve de la lourdeur de ce monde qui nous entoure et qui est lourde de tous les crimes et tout ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment connaître le travail de Mana, il faut voir les dessins, il faut voir les autres dessinateurs, et il faut à la fois lire et pleurer avec ces dessins, puisque le rire et les pleurs vont ensemble, c'est la vie, c'est la vie. Merci beaucoup, cher Chala. Alors, vous avez évoqué des choses qui me permettent de rebondir et d'avancer dans la discussion avec cette idée finalement de l'humour comme respiration, comme bol d'air, comme échappatoire au totalitarisme. Nous avons, avec les co-commissaires Co et Garo, si je puis me permettre, nommé une section de l'exposition « Le rire suprême ». Merci beaucoup, Chanel. Le rire suprême, un peu comme un pied de nez hein, au guide suprême, le rire suprême. Alors, bon, on a évoqué la tradition satirique des années 60 et 70, à la fois par le dessin, donc « Ardeşir Muhasses », qui d'ailleurs évoque lui-même hein, les influences qu'il a eues, que par exemple Topor a eues sur lui, etc. Et
Et donc, vous parliez, cher Charlotte, de Iraj Pezeshkzad, d'Oijun Napoleon, mon oncle Napoléon, publié donc en 1973, et donc qui a eu en fait une adaptation à la télé iranienne en 1976. Et avant cela, eh bien, Bijan Mofid, hein, La ville des histoires, en 1967, qui a été donnée sur scène, il me semble, pour la première fois à Shiraz en 1968. Et maintenant, la question que je me pose, justement, c'est celle de la diffusion. Bon, on a donc, en fait, une production à une époque où c'est possible, d'accord, donc les années 70, bon. Et on a ce rire salvateur, c'est presque salvifique, j'ai envie de dire, dans cette atmosphère d'enfermement. Et on a aussi une espèce d'entre-deux, si j'ose dire, qui est le territoire de la diaspora, des humoristes en exil. Je pense notamment à Esmaël Rouhi, dont j'ai donné le nom, puisque j'ai dit qu'il avait interviewé Adeshi Mohassez. Il y a aussi Hadi Rorsandi, qui a fait une réponse absolument géniale à Khamenei, qui avait dit « Mais oui, Khamenei dit, donc le guide suprême depuis 89, depuis la mort de Khamenei, dit « Mais oui, ça serait très très bien qu'en Iran, nous ayons des artistes comme Charlie Chaplin. » Et alors là, Hadi Rorsandi part et dit « Bah oui, et oh, si seulement nous avions un Charlie Chaplin !» Et il part dans une espèce de long texte absolument tordant de rire que l'on se faisait lire les uns les autres. C'est-à-dire, c'est une période qui est presque avant Internet, pour ainsi dire, hein. Et ces textes circulaient. Et une troisième personne à qui je pense, c'est Parviz Sayyod. Oui, oui. Et Parviz Sayyod, qui a joué dans Mon oncle Napoléon, dans la série TV. Donc, ces trois personnes en exil, Rouhi, Parviz Sayyod et Hadi Rorsandi, alors chacun dans leur style, hein, ont écrit des textes. Alors, Asrar al-Oroj, je pense que c'était vraiment le truc. On attendait la publication d'Asrar al-Oroj et on se lisait les textes. Et donc, la question que j'ai envie de poser, et notamment à Mana, c'est la question, finalement, et donc là, en fait, c'est une question qui s'adresse à vous deux, en réalité, la question de la diffusion des dessins et des textes dans cette atmosphère, donc d'après 79, peut-être d'avant Internet, avant de... Voilà, puisque... En fait, Mana, en réalité, si je puis me permettre, j'aurais dû peut-être dire ça dès l'introduction lorsque j'ai parlé de son parcours. Mana dessine à l'adresse d'un public persanophone et il publie sur des médias en ligne auxquels les Iraniens ont accès. D'accord. Et pour reparler de ces histoires d'aller-retour, on a évoqué brièvement hier, eh bien, lorsque le concours est lancé par Charlie Hebdo, des Iraniens en Iran font des dessins. J'avais parlé notamment de Ralam Farsa, celui qui brandit une plume, hein, c'est manifestement un pseudo, qui envoie son dessin depuis l'Iran, publié dans Charlie Hebdo, qui est repris par les manifestants en Iran. Donc, ces mouvements d'aller-retour, en fait. Voilà, donc, entre, finalement, la révolution et l'avant-Internet, quels étaient les textes qui vous parvenaient et où les dessins avec lesquels vous étiez en dialogue ? می‌خواستم بدونم در مورد دهه 70 صحبت کردیم که در واقع ارتش مؤسس یا مثلا بیژن اونا آزاد بودن که کارشون رو انجام بدن. بعدش الان با اینترنت این نقاشی که شما می‌کشید خب ایرانی‌ها میتونن ببینن. بین این دو تا چیز بین 79 تا قبل از اینترنت مثلا چه جوری این متن‌ها و یا نقاشی‌ها De sahti. difficilement. Il circulait difficilement. طبیعتاً به سخت برای اینکه میدونید قبل از اینترنت وقتی ما داریم صحبت میکنیم خصوصا در مورد جامعه ایران بعد از انقلاب داریم میگیم دیگه بعد از 1979 هیچ مثل جزیره جدا افتاده از دنیا شد ناگهان ایران خارج از ایران واقعا خبر نداشتن که داخل چه اتفاقی داره میفته و میتونم بگم برای همین بود شاید که وقتی حول و حوش 1990 یا اواخرش یادم تاریخش دقیقا کتاب مرجان ساتراپی در اومد انقدر نسبت بهش آتش نشون دادند در خارج برای اینکه از داخل ایران از طبقه متوسط داشت چیزهایی میگفت مردم خارج از ایران نمیدونستند میدونید
از طریق سینما سعی میکردن بفهمن که داخل ایران چه خبره. سینمای ایران در 1980-1990 سینمایی بود که بیشتر روستایی بود. کیارستمی در روستاها فیلم میساخت، دونده شهرهای کوچک روستاها بودن، طبق متوسط کسی چیز نمیست. خیلی سخت اطلاع در میبرد. میخوایی همین قدرش بگی فهم؟ Merci d'avoir des égards pour la traduction. Donc en fait, pendant cette période entre la révolution et Internet, finalement, les choses circulaient difficilement. Ce qui fait que, d'ailleurs, en dehors de l'Iran, les gens avaient difficilement accès à des informations du dedans. Et c'est pour ça aussi que lorsque l'œuvre de Marjane Satrapi, Persepolis, a été publiée, ça a eu un tel retentissement puisque enfin il y avait un discours qui était au plus près de la réalité iranienne, qui était diffusé au-delà des frontières de l'Iran. Et par exemple, le cinéma dans ces périodes, hein, des années 80-90, était un cinéma qui montrait un Iran très rural. Donc c'est voilà, ça montrait une partie de la vie, mais une partie seulement, qui pouvait être peut-être loin voilà, de la réalité de du cœur tapant, si j'ose dire, de l'Iran. می‌دونین چرا کیارستمی سینماش غوغل شد؟ به خاطر اینکه اول انقلاب داشت راجع به وضعیت شهری اتفاقا فیلم می‌ساخت، راجع به وضعیت آموزش پرورش فیلم می‌ساخت و جلوشو گرفتن. بهش حمله کردن، ناچار شد که بره جاهایی که به امن‌تر باشه. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma a dû faire avec la censure. Kiarostami, pour quelle raison est-ce qu'il s'est mis finalement à filmer cet Iran plus rural? C'est parce qu'au début de la révolution, eh bien, il voulait faire des films sur cet Iran plus urbain, plus moderne, plus contemporain, etc. Mais il n'a pas pu. On a fait tant de pression sur lui qu'il a été obligé, en fait, de se tourner vers cet aspect-là de l'Iran. Pardon. شما این فضا رو در نظر بگیرین، همه چی مثل جزیره در خودش محدود. اگر هنرمندی از ایران فراری میشد به ناچار به خاطر رژیم، مثل مؤسس که اس بردین، مثل کامبیز درنبخش، مثل خیلی از آرتیستای دیگه، اینها ارتباطشون با کشور خودشون قطع شده بود، با کشور مهمان هم نمیتونستن ارتباط برقرار کنن در سن بالا. یه واقعیتی در نتیجه ایزوله میشدن. Il y a véritablement une sorte d'isolement, en fait, d'aspect insulaire, puisque en fait, les artistes qui finissaient par devoir s'exiler du fait de leur œuvre, arrivés à l'étranger, ne pouvaient pas rentrer en contact avec l'intérieur de l'Iran et du fait de la situation à l'extérieur, ne pouvaient pas véritablement montrer leur travail non plus ou avoir de canaux de diffusion. Donc ils se retrouvaient véritablement isolés en fait. از من سوال میشه که آیا اون چیزی که ما در اینترنت میبینیم همه واقعیت اجتماعی ایرانه؟ میشه بهش تکیه کرد؟ من جوابم این بوده به هر حال تنها گزینه ای هست که ما داریم و بخشی از واقعیت رو داریم توش میبینیم. شما حتی داخل ایران هم زندگی بکنید، به صورت فیزیکی حضور داشته باشی، دلیل نمیشه که متوجه باشی که چه اتفاقی واقعا داره میفته. Et en fait, on me pose souvent la question de savoir si ce que l'on voit sur Internet de l'Iran est-ce véritablement le reflet de ce qui se passe effectivement en Iran. En réalité, c'est le seul choix qui s'offre à nous. Et même lorsque vous vivez à l'intérieur de l'Iran, la réalité que vous allez voir du pays est forcément parcellaire en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous vivez. Donc voilà, c'est le reflet de... C'est un reflet de l'Iran qui dit une réalité qui existe. خب پس بنابراین اینترنت باعث شد که من بتونم من به عنوان هنرمند یا آرتیستی که کارش هم کار مرتبط با اتفاقات روز مردمه، بتونم با اخبار با داخل ایران ارتباط داشته باشم، ارتباطم قطع نشه، با مخاطبم ارتباط داشته باشم و ایزوله نشم، همچنان بتونم کار بکنم در این مورد. Pour faire le moment inverse, hein, puisque donc là, Mana parlait de ce que Internet donnait à voir de l'Iran, et Internet, qu'est-ce que ça lui a permis à lui en tant que dessinateur? Eh bien, c'est ce moyen qui lui permet de faire voir son travail aux Iraniens, à son audience, à son public, et de l'atteindre. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez...
ajouter? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La question d'exil, exil d'artiste, exil d'écrivain, et surtout quand vous êtes... moi-même, j'ai commencé à écrire en exil, mais j'avais, pour les personnes qui viennent à un âge plus avancé, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et effectivement, cet isolement qui, avant les réseaux sociaux, s'imposait à des artistes, des écrivains, etc., c'était quand même source de dépression. Et on a eu des cas de suicide, on a eu des cas de dépression importante, la fin de la créativité. Et tout cela, ça fait partie aussi de la réalité iranienne, puisque... En fait, l'Iran est un pays qui n'a pas connu des vagues successives de l'immigration avant. On a eu des immigrations, bien sûr. On a eu des étudiants, des milliers à l'extérieur. Politique contre le pouvoir, mais on n'a pas eu la notion de l'exil politique. C'est a commencé à se développer après la révolution, sous la République islamique. Et avec la répression totalitaire, puisque tous les domaines de la vie sont touchés. Avant la révolution, c'était le domaine politique qui était touché. Ça veut dire l'expression libre politique n'existait pas. Mais après la République islamique, la manière de vivre, la manière de s'habiller, la manière d'agir, tout a été sous censure et sous répression. L'école a été complètement reformatée pour créer sur leur guidance idéologique. C'est une guidance idéologique étouffante, ce qui a fait qu'il y a eu à la fois les militants qui se sont, les gens qui ne voulaient absolument pas céder, mais petit à petit, les autres personnes aussi qui ne pouvaient plus vivre dans cette situation. Et on a eu des milliers, on a une diaspora qui est combien de millions, on n'a pas un chiffre exact, mais quand même des millions des Iraniens, et ça se développe, et la fuite de cerveau, et le pays se vide de ses capacités de création, et ça, c'est très dommage. Avec les réseaux sociaux, on essaye de le rattraper au moins. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Je pense que notre temps aussi. Merci beaucoup, cher Chala. Alors, on me dit que l'heure tourne, et donc peut-être serait-il temps voilà, s'il y a une ou deux questions dans l'assistance, de vous passer la parole. Jacqueline ? Oui ? Je crois que j'exprime un peu la vie des personnes qui sont là. Un très grand merci à vous, Chala, Iris. On a même eu l'impression de comprendre un peu le persan. Et justement, je voudrais revenir sur quelque chose dans l'aller-retour dont parle Iris, dans la lutte contre l'absurde, comment la caricature devient universelle. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas enfermer dans un cadre culturel, identitaire, dans le wokisme, dans tout ça, c'est bien la caricature. Et j'aimerais poser une question, malheureusement pas en persan. Est-ce que lorsque vous avez commencé à faire des caricatures à l'extérieur de l'Iran, vous vous êtes heurté à des limites culturelles dans la façon de dessiner, d'exprimer, ou tout de suite, vous avez pu continuer certaines choses dans une pensée très universelle de la caricature? Oui. Oui, pour s'adapter, par exemple, à un public occidental ou je sais pas quoi. Bonne question. اون بخش نمیدونم میشه اینجوری فکر نکردم من وقتی در ایران کار میکردم این شکلی کار میکردم همه میگفتن که این کارا چقدر غرب زده است یا
میدونید در حالی که خیلی وقتا همین کارا رو یه مخاطب غربی نگاه میکنه متوجه نمیشه برای اینکه پر از ریفرنس های فرهنگی و پر از مسائلی هستش که برای ایرانی ها معنی داره. در این حال تو این سالها سعی کردم که بخشی از کارام قابل فهمتر باشه برای مخاطب غیر ایرانی. به هر حال زبان تصویر این زبان میتونه بین المللی باشه. Lorsque j'étais en Iran et que je faisais des dessins, on me reprochait parfois d'être occidentalisée. Alors que je dessinais des choses que les personnes qui ne connaissaient pas l'Iran et la réalité iranienne ne pouvaient même pas comprendre, en fait. Et j'ai pas l'impression véritablement d'avoir eu besoin de faire ça. Alors, bon, j'essaie maintenant peut-être parfois de faire quelques dessins qui sont plus à l'adresse à une adresse mondiale, disons, mais j'ai pas véritablement cette sensation. Et c'est universel. Oui, c'est universel. C'est le langage du dessin. C'est la langue du dessin qui est universelle. صد درصد نیست. بله، یه سری چیزایی هستش که تو هر کشوری حتی زبان تصویر هم متفاوت میشه. ولی بخشایی از اون بین المللی هست. من خاطرم هستش برای کتاب مجموعه کاریکاتورام تو و بیان حدود 1000 تا کار به ناشر دادم و اون این وظیفه رو داشت ببینه کدوم 200 تا کار رو احتمالاً به عنوان مخاطب فرانسوی یه فرانسه بهتر میتونه بفهمه باشه تو برقرار کنه. De toute façon, ça c'est pas à 100% et c'est évident que même dans le langage graphique, il y a des choses qui sont plus difficilement compréhensibles lorsque l'on n'est pas de la culture même du pays. Alors par exemple, pour donner un exemple, lorsque j'ai donné un millier de dessins pour le volume intitulé « Tout va bien » à mon éditeur, en fait, il a dû choisir 200 dessins qui étaient plus facilement compréhensible ou plus adressé à un public occidental ou international. Alors là, si je peux me permettre de dire quelque chose en tant que به نظر من از هر جوری اگه من از کار یه چینی یه بخش از فرهنگ چینی خوشم بیاد شاید تو کارم بیاد خود به خود میدونی اینا توی ذهن آدم حل میشه. خیلی از چیزهایی که توی ذهن من حل شده از فرهنگ ایرانی آمده خواه ناخواه هست حضور داره. À vrai dire, je ne crois pas vraiment à cette rupture entre un Orient et un Occident et à ces frontières. Il est possible, en fait, que s'il y a quelque chose qui m'aime bien chez un artiste, que j'aime bien chez un artiste chinois, d'une manière ou d'une autre, ça puisse se retrouver dans mon œuvre. Et oui, il est probable que, de manière consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, des choses qui sont propres à la culture iranienne se trouvent dans mon œuvre. Voilà. Alors là, si je peux me permettre de faire une remarque en tant que commissaire d'exposition, on a dû aussi choisir en fait une sélection des dessins de Mana et en fait un des critères tout simplement c'était de prendre des dessins dans lesquels il n'y avait pas de bulles en persan. Voyez, c'est-à-dire c'est de cet ordre-là parfois. C'est simplement que quand les bulles sont en persan, bah oui, voilà, c'est آره من همیشه اینم اضافه بکنم که گاهی به همکاران آمریکایی خودم حسادت میکنم برای اینکه اگه آمریکایی در رژه به مملکتش کار بکشه بین المللی محسوب میشه انگار کسی بهش نمیگه بین المللی ولی اگه من رژه به کشور خودم کار بکنم محلی محسوب میشم. فکر کنم نمیدونم کیارستمی بود یا کدوم هنرمند دیگه گفته بود که برای این شاید هم تقوایی یا کسی دیگه گفته بود برای اینکه بین المللی باشی در وهله اول باید بتونید خیلی خوب محلی باشی یا همچین چیزی. Alors en fait parfois il m'arrive d'envier mes collègues américains parce que si j'ai un collègue américain qui fait un dessin, forcément ce sera compris comme international, alors que moi si je fais un dessin, on va me réduire à une espèce de folklore ou à une espèce de localisme. Et en fait, je sais plus si c'était Kiarostami ou un autre qui disait que finalement peut-être pour que ce soit très international, il fallait commencer par faire une œuvre très locale. Je suis pas sûre d'avoir bien saisi ce que tu voulais dire par là. Oui. Peut-être être imprégné en fait de la culture. Oui. Ce sera la dernière. Ce sera la dernière question. Ce sera la dernière question. Moi, je voulais intervenir quand Shala tout à l'heure elle a parlé de dilemme. Et un jour, il lui en dit, c'est de l'insolence.
il leur a dit non, c'est pas de l'insolence, c'est de l'impertinence. Et c'est la langue, c'est l'impertinence de ma langue qui est partagée partout. Donc c'est les dessins caricaturaux sont impertinents et c'est comme ça qu'ils font voilà. Et ajouter quelque chose ? Non ? Ah oui. Je pense qu'ils font, ils vont nous dire partez le plus tôt possible. Alors non, mais puisqu'il y a une autre table ronde. Mais si vous voulez, moi je pense que cette histoire de, il faut partir de quelque part pour toucher le monde, c'est partout, dans tout récit, toute création, toute forme de, il faudrait que vous, c'est-à-dire enfin, à la fin, on arrive à l'individualité de l'artiste. Quand on écrit, quand on dessine, quand on fait de la musique, et cette individualité est toujours formée dans une localité. Avec une histoire, famille, voilà, on voit par exemple le frère et le père, ou la mère, quels sont leurs. Donc, effectivement, on peut pas appartenir au monde si on n'appartient pas à quelque part. Et ça, je pense que c'est une formule qui concerne en fait, toutes les créations. Quand vous parlez d'individualité, ça me parle. Mais en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'était au livre sur le jeu de Clotilde Le Guil. J-E, en fait. Hein. Voilà. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est une question d'appartenance, finalement, ou est-ce que c'est une question d'être au clair avec son désir, d'une certaine manière. Bon, on pourrait en dire long. En tout cas, ce qui nous harcèle, ce qui nous fait vraiment, ce qui se passe en Iran ou dans les autres pays où il n'y a pas la liberté, c'est que c'est toujours au nom de collectif qu'on réprime l'individu et on réprime tout. Et quand on commence à réprimer les individus, on arrive à la fin à la répression collective. Donc ça rate jamais. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. En tout cas, merci pour votre patience. Je voudrais dire un grand merci à Shala et à Mana et aussi à Kianouche, donc qui a pas pu être avec nous. Et puisque vous posiez la question, Malika, l'impertinence, hein, si j'ai choisi de parler de dilemme, c'est aussi parce que donc il y avait eu ces amendements dilemme. Mais effectivement, cet esprit d'impertinence, un peu à la française, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de caricaturistes qui se disent influencés par cet esprit français et a fini par faire partie de l'universel et c'est heureux. Et peut-être que il serait bon, puisqu'on parle d'impertinence et que je ne vous ai finalement pas montré un seul dessin, que l'on se quitte sur ce dessin de Mana, vous voyez, un guide de la révolution qui dit « j'ai toute l'autorité », alors qu'il n'arrive même pas manifestement à contrôler le trajet de son slip, hein, voyez. Donc voilà, nous allons nous quitter là-dessus. Et si vous pouvez passer à Guingamp avant le 30 juillet, cette exposition a vocation à poursuivre sa vie. Elle va probablement circuler un peu ailleurs en France. On vous tiendra au courant. Merci à tous. Merci Iris, merci Shalam.